Alors, Dounia Bouzar, il faut absolument écouter ce témoignage édifiant sur son début de parcours. Anthropologue du fait religieux, pas par hasard comme histoire. Je me dis qu'il y a quelque chose, un travail à faire sur le nomastique, sur l'histoire des noms et des prénoms concernant la génération la troisième génération des immigrés. Ouais. Quand on se pose sur ton prénom à toi, Dounia, qui n'est pas ton vrai prénom, ça veut dire quoi d'ailleurs, Dounia ? Ça veut dire la vie. C'est vrai qu'il m'a fait un beau cadeau, le jeune qui a mélangé Dominique et Amina. Parce que c'est Dominique le vrai prénom. Ouais. C'est Amina aussi. Ah. Bah ouais, c'est Amina. Ma mère m'a appelée Dominique, corse. Mon père algérien-marocain m'a appelée Amina. Et le premier jeune dont je me suis occupée m'a dit, tu mélanges les deux, ça fait Dounia. Mais mon père, c'est la seule chose qu'il m'a donnée, c'était Amina. Je voulais pas prendre que ça, mais il faut quand même le prendre. Voilà. Ouais. C'est intéressant, je trouve. Hein. On arrive à oublier Dominique complètement et à être Dounia. Même ma mère m'appelle Dounia aujourd'hui. Même ma mère m'appelle Dounia. La suite, alors réellement sur le site.